Une quarantaine de jeunes ambassadeurs pour le civisme dans des 13 régions du Burkina sont en conclave à Ouagadougou. Il s'agit pour ces jeunes de revisiter les notions de droits humains et des droits de l'enfant. Ils se sont également imprégnés des modules sur le civisme et la citoyenneté. À la fin de leur formation, les jeunes ambassadeurs se sont permis quelques moments de villégiature dans la ville de Ouagadougou, histoire d'aiguiser davantage leur esprit de citoyenneté. Ismaël Dilouma, Sirima. Sous les yeux de Thomas Sankara, ces jeunes ambassadeurs pour le civisme s'imprègnent de l'histoire du Conseil national de la Révolution. Avec le guide, ils font le tour de différents récits pour déboucher sur les événements tragiques du 15 octobre 1987. Marqués par cette histoire, les jeunes ambassadeurs pour le civisme mettent le cap sur le monument des martyrs pour dire plus jamais de crimes de sang au Burkina. Il est important de léguer à la nouvelle génération des valeurs qui puissent les guider dans l'édification d'une nation prospère et unie surtout. Des valeurs de tolérance, de paix, des valeurs de cohésion et de travail unitaire. C'est pourquoi notamment cette activité est d'une importance capitale, surtout justement en ce moment-là où l'incivisme est galopant dans notre pays. C'est d'ailleurs la caisse du CISM qui a réuni à Ouagadougou ses 42 ambassadeurs des 13 régions et leurs entraîneurs. Pendant 4 ans, ils ont reçu nos sur les droits humains et sur l'engagement citoyen. On ne peut que se réjouir de cette activité qui nous a permis, une fois de plus, d'approfondir en tout cas certaines de nos connaissances sur les droits et droits de l'enfant, sur les manifestations, les causes et les conséquences de l'incivisme. Nous allons mener des activités telles que et choses, faire des conférences de sensibilisation, et faire des lois, et faire des bisous, de quoi nous passerons dans le cadre de la citoyenneté. Au-delà, ces jeunes ambassadeurs promettent s'inscrire dans le sens de la réconciliation, tout comme la colombe en train de recouper les morceaux.